La passion d'un cinéaste pour la vie dépasse parfois le simple cadre du film humaniste pour devenir un poème glorieux et intense autour de l'essence même de celle-ci, l'amour. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui est obnubilé par l'amour et par cette envie de le transmettre au travers d'un cinéma très réfléchi. Terrence Malick est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 46 ans tout de même. 46 ans durant lesquels il n'a cessé de fasciner et d'intriguer nombre de cinéphiles et de cinéastes, celui-ci étant capable de réaliser 2 films en 2 ans ou d'attendre 20 ans avant de repasser derrière la caméra. Comme si la réflexion était pour lui primordiale à la construction d'une œuvre. Dans sa démarche cinématographique, Malick est souvent comparé à Stanley Kubrick, ces deux réalisateurs étant capables d'attendre 20 ans pour mettre en scène un film afin de comprendre à fond leur sujet. Malick, lui, est un cinéaste qui ressent le cinéma, qui cherche à l'exprimer de la manière la plus sensorielle possible, dépassant ainsi le simple cadre graphique ou narratif. C'est d'ailleurs devenu sa patte, l'idée même que le cinéma se ressente totalement, comme une grande et longue pause, comme une nécessité psychologique et émotionnelle pour mieux réussir à comprendre la vie. La vie dans sa conception même, c'est-à-dire l'amour. Et c'est là que l'on touche au sujet central de la filmographie de cet auteur, un besoin de parler de l'amour avec un grand A. Car oui, si l'on veut comprendre le cinéma de Malick, il est essentiel d'avoir déjà été amoureux, aussi cucu que cela puisse paraître parce que le cinéma de ce réalisateur tourne avant tout autour de cela. Une romance passionnelle, l'idée même de l'origine de l'amour, un conflit entre amants, et même la découverte d'un pays par l'amour, Malick est obsédé par l'amour de manière viscérale. En se plongeant à fond au cœur des quelques longs métrages de Malick, on ressent un amour profond pour l'homme dans sa plus grande généralité. Malick ayant besoin de raconter, et de conter plus simplement, l'origine de l'homme. Même s'il n'en parle jamais, ses personnages sont souvent des représentations d'Adam et Ève, les premiers êtres à être justement tombés amoureux et qui ont donné naissance à l'humanité. Malick a un impact fort sur le cinéma d'aujourd'hui, car même si l'on peut avoir quelques réticences par rapport à son style, il est impossible d'en avoir par rapport à sa forme et ses idées de metteur en scène. Sa conception graphique et esthétique de ses films est d'une intensité dramatique et physique tellement rare que l'on se sent tout de suite touché par celle-ci à un degré plus fort que d'habitude au cinéma. C'est cela le cinéma de Malick, un ressenti poussé à son extrême qui peut parfois perturber des spectateurs qui penseront échapper au monde réel et qui finalement, par le biais d'un récit imaginaire, en sont rapprochés. Le cinéma de Malick est bien plus qu'un imaginaire, il est terrestre. Il cherche à nous rapprocher le plus possible de nous-mêmes et de notre Terre, afin de nous faire réfléchir non pas de manière écologique, mais de manière humaniste tout simplement. Malick ne se limite pas au simple code de la narration de cinéma, mais cherche au contraire à en explorer les limites par une utilisation singulière de la mise en scène et de la dramaturgie. Plongeant ainsi le spectateur sur un terrain qu'il ne connaît pas, il tente le pari de mieux nous perdre pour nous inciter à nous retrouver au cœur de ses histoires. C'est ainsi qu'un metteur en scène s'approprie le cinéma, en fait une forme d'art révolutionnaire qui reconçoit totalement son utilisation et sa construction pour mieux essayer de le comprendre et de le faire évoluer. C'est grâce à des cinéastes comme Malick que l'on comprend pourquoi le cinéma ne vieillit pas, mais au contraire, évolue avec son temps et parvient à constamment rester en mouvement, comprenant ainsi le spectateur par le biais d'un amour total de ceci. Plonger dans le cinéma de Malick, c'est accepter de voir le cinéma changer, c'est accepter de voir le cinéma évoluer de manière sensorielle pour mieux revenir à l'essence même de la vie. L'amour devenant ainsi le point de départ d'un long et beau poème sur l'homme et son passé, ainsi que sur son présent et son futur.